Une bombe au cœur de l'État, une attaque abjecte contre notre peuple, nous condamnons. Voilà quelques-uns des titres qui faisaient la une ce matin de la presse turque. À Ankara, les habitants sont sous le choc et vivent désormais dans la peur de nouveaux attentats. Tout le monde a peur, dit cette femme. Hier soir, dans la rue, on pouvait lire cette peur dans tous les regards. Les gens couraient pour s'éloigner du site de l'explosion au lieu de s'approcher pour voir ce qui s'était passé. Maintenant, on appréhende quand on est dans des lieux très fréquentés, au milieu de la foule. On est moins à l'aise qu'avant. C'est un jeu orchestré par des puissances étrangères hostiles à notre pays, dit cet homme. Aujourd'hui, il est grand temps d'afficher notre solidarité. Il ne faut pas se critiquer les uns les autres. Il faut s'élever ensemble contre cela. Je suis très attristé. C'est le deuxième attentat contre la capitale turque en l'espace de 4 mois. En octobre dernier, 103 personnes avaient été tuées par 2 kamikazes lors d'un rassemblement de militants pro-kurdes devant la gare centrale.